Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! On est maintenant rendu à la troisième étape de notre périple de un mois. Et puis Yves va vous donner quelques indices afin que vous puissiez deviner où est-ce qu'on est rendu. On est rendu au nord-ouest, à 2h30 de Wasaga Beach, dans un coin de péninsule, à pointe de péninsule, où est-ce que la place est reconnue pour avoir des plages limpides et de l'eau courtoise. Alors, on va recommencer. Commence! Bonjour tout le monde! On est rendu à la troisième étape de notre périple de un mois. Et puis Yves va vous donner quelques indices afin que vous puissiez deviner où est-ce qu'on est rendu. OK, mes indices vont être probablement faciles. On est dans une péninsule, à pointe d'une péninsule, à 2h30 de Wasaga Beach, nord-ouest. Et c'est reconnu pour son eau turquoise, pour ses eaux turquoises et limpides. Turquoise et limpide. C'est ça. Et en plus, on voit des sentiers pédestres à grandeur du territoire. En plus, il y a des îles à découvrir aussi. À découvrir. Découvrir. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu dans le village de Tober Murray, qui est vraiment au bout de la péninsule de Bruce. Et c'est là que se rencontrent la baie Georgienne et le lac Huron. Et puis aujourd'hui, on est venu visiter l'île de Flower Cut. On est venu en bateau avec une petite croisière. Et puis c'est une superbe belle île avec des sentiers. Et puis c'est reconnu pour ses eaux turquoises alentour. Et puis toutes ces formations rocheuses qui sont quand même assez belles. Et on peut même faire du camping sauvage sur l'île si on s'inscrit. Alors tout au long de la semaine, on va faire des beaux vidéos et on va vous montrer qu'est-ce qu'on va visiter. Alors, on vous dit à bientôt! On est maintenant rendu à la fin de notre périple dans la péninsule de Bruce et on va vous faire un résumé de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Premièrement, la première journée, on est allé faire une belle croisière sur l'île de Flower Pot qui se situe dans le parc marin national Fathom 5. Il faut prendre un bateau pour aller là, tous les bateaux partent du village de Tober Murray pour aller là. Ça vaut la peine, une belle petite croisière, soit dans l'avant-midi, soit en après-midi. Et puis, cette île-là est reconnue pour ses eaux limpides et turquoises alentour, mais aussi pour toute l'érosion marine qu'il y a eu, qui a érodé des roches. Puis ça fait que les roches sont devenues comme en forme de pots de fleurs géants, d'où le nom de Flower Pot Island. Et dans le tour de bateau qu'on a fait, on a même navigué au-dessus de bateaux qui ont déjà coulé il y a plusieurs années. On voit des épaves de bateaux, puis on voit à travers, si on est dans le fond, puis on les voit à travers tellement que l'eau est belle. Ensuite de ça, on est allé, ici alentour, il y a le parc national de la péninsule de Bruce qui a plusieurs points d'accès. Et c'est sûr qu'on n'a pas tout visité, ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a des points d'accès qui sont plus populaires que d'autres et il faut réserver le stationnement en ligne. Donc, les plus populaires, on les a pas vus parce que le stationnement était déjà plein pour la semaine, mais on s'est quand même promené dans d'autres endroits à travers le parc. Et puis, on est tombé sur des beaux bords de lac là, de la baie Georgienne où ce que l'eau était limpide, turquoise. Comme une piscine. Tu t'es d'ailleurs baigné là-dedans. Comment tu t'as trouvé l'eau, Yves? Elle est très bonne, l'eau. C'est tellement clair, c'est tellement propre que tu as le goût de te saucer à l'eau. C'est ta force. Hein. Oui. Oui, c'est vraiment beau. Dommage, j'avais pas amené mon costume de bain, mais bref, on se reprendra peut-être une autre fois. Ensuite de ça, on est allé aussi sur la plage de Singing Sands, qui est sur le bord du lac Huron. C'est une très belle plage de sable où on peut marcher pendant longtemps avant d'arriver dans le creux.
C'est parfait pour les familles, les enfants, les chiens qui se promènent. Vraiment une belle petite plage, mais quand même, on peut dire que l'eau du lac Huron n'est pas aussi turquoise et belle que l'eau de la baie Georgienne. C'est vraiment l'eau de la baie Georgienne qui est très, très, très belle. Ensuite de ça, on est allé faire un tour à Lion's Head, qui est un petit village qui est à peu près à mi-chemin sur la péninsule de Bruce. Beau petit village mignon avec une petite plage, une marina, un fort. Et le sentier pédestre de Bruce, qui s'appelle la Bruce Trail, passe par là. D'ailleurs, ça passe à travers toute la péninsule de Bruce au complet. Et ce sentier pédestre-là débute à Niagara, se termine dans le village de Tobermory. Il mesure 900 km de long. Et c'est le sentier pédestre le plus long, le plus vieux au Canada. Donc, ceux qui aiment ça, la randonnée, là, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire la randonnée ici. Ensuite de ça, alors ici, c'est quand même assez tranquille. Hein? C'est vraiment les lacs, puis les sentiers pédestres. C'est pas une place de vélo. On a sorti nos vélos une fois, on n'a pas fait beaucoup. Hein? Pas de terrain de golf. Hein? Pas de golf non plus. Pas de golf. Puis il n'y a pas de Walmart, pas de Costco, il n'y a rien de ça ici. C'est plus dans le petit village. Il y a une petite épicerie de rien. Moi, je vous suggère de faire une bonne épicerie avant de vous en venir ici ailleurs parce que ce n'est qu'une petite épicerie. Ça coûte quand même assez cher. C'est quand même un peu isolé comme région. Mais quand même, ça vaut la peine. Le détour, ça vaut la peine le détour. C'est beau ici. Non, c'est vraiment... qu'est-ce qui est beau, c'est justement l'eau. C'est l'eau. Turquoise. Mais c'est pas... profond, comme vous voyez là. Puis, vous amenez vos enfants, puis c'est le paradis pour eux. Oui, en fait, la baie Georgienne, ça me fait penser à la Méditerranée, qui c'est aussi clair et turquoise que la Méditerranée, sauf que c'est de l'eau douce, puis il n'y a pas de requins dedans. Hein? On pourrait dire que c'est ça la différence. Et puis, pour terminer, on est venu passer la dernière journée ici à Little Cove. C'est juste environ 5 minutes de notre camping. C'est une belle petite plage de galets, puis encore là, l'eau est super belle. Fait qu'on va aller mettre nos costumes de bain, puis on va aller faire un petit tour dans l'eau. Et on aimerait aussi vous parler du camping où on était, le Tobermory Village Campground. Bien centré. Oui, bien centré pour aller visiter tous les parcs alentours. On est juste à 2 km du village de Tobermory. Un grand camping avec des étangs, une piscine et tout des terrains intimes, aménagés, séparés par des arbres. On a vraiment aimé ce beau camping-là. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, là? C'était quoi tu voulais ajouter? L'Internet, toujours piteux, l'Internet, ouais, c'est affreux. C'est toujours la même histoire à chaque camping. Fait qu'on est mieux d'avoir des données sur notre téléphone si on veut être capable d'aller sur l'Internet. Donc, ceci termine notre périple ici dans la baie à Tobermory. Et puis demain, on repart pour une autre destination, dernière étape de notre voyage. Suivez-nous! C'est ça, si vous voulez rien manquer, suivez-nous. Et puis, si vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne. Puis, si vous avez aimé notre vidéo, bien, faites-nous un j'aime. Ça nous fait plaisir d'avoir des j'aime pour nos beaux vidéos qu'on fait pour vous autres. Alors, merci beaucoup et à la prochaine! Ça nous encourage, nous autres. C'est ça. Non. Est-ce que c'est beau, là?